Merci d'être resté avec nous sur FR3. Mais attention, je dois vous préciser que cette émission est destinée surtout aux personnes qui n'ont peur ni de l'humour, ni de l'insolite, ni du délire, puisque vous la passerez, cette émission, en compagnie d'Hubert Félix Thiéphaine et de ses musiciens. Rockotopsie, voilà ce qu'on vient d'entendre, Hubert Félix Thiéphaine. Je trouve que c'est un drôle de nom pour une musique qui finalement ne se porte pas si mal que ça en ce moment. C'est-à-dire, ce morceau, moi j'ai écrit en 22, après les événements de Babylone, si vous vous rappelez. Et Autopsie, bon, on a toujours raccroché quelque chose de morbide à Autopsie, mais c'est juste une analyse d'Autopsie aussi. Le rock, je ne sais toujours pas ce que c'est, alors je ne peux pas dire, hein, j'écris vraiment n'importe quoi en fait. Même aujourd'hui. Même aujourd'hui. Puis plus ça va,
plus j'écris n'importe quoi. Bon, alors voilà qui va surprendre un peu vos admirateurs, tous ceux qui aiment le rock et qui vous aiment bien et vous écoutent parce qu'il y a toujours une petite référence au rock. Ils vont plus m'aimer du tout. Je crois, oui. Je retire tout ce que j'ai dit. Alors, le rock, voyez-vous, c'est une musique qui est née dans les années 50 aux États-Unis et qui a eu différentes périodes. Et puis là, moi, ça traite un petit peu de la période des années 60. Oui, je suis né en 62, donc ça vient un peu avant. De 60 à 75 environ. C'est un petit peu cette période qu'on traite dans la chanson. Dans la chanson, et aujourd'hui, vous laissez tomber le rock ? Aujourd'hui, moi, je fais de la. Je fais du. On se remet. D'accord, j'ai compris. Oui. Est-ce qu'il vous arrive quelquefois d'être sérieux ? Moi, pourquoi vous me posez cette question ? Non, mais je vous pose la question simplement. Pourquoi je ne suis pas sérieux ? Si, très. Je suis pas sérieux. Eh bien, si, je suis un être extrêmement sérieux qui se pose beaucoup de questions sur le monde dans lequel il vit, sur la musique qu'il écoute, et puis. Qu'il joue aussi. Ah oui, oui, parfois. De temps en temps. De temps en temps, oui. Alors, lorsque vous faites un disque, par exemple, lorsque vous produisez sur scène. Alors là, on est sérieux. Hein. Ouais. Faut pas rigoler. Hein. On n'est pas là pour ça d'abord, et puis non. Le travail du disque, c'est quand même un travail sérieux, même si vous semblez vous amuser pas mal. Ben là, on travaille sur un nouvel album, et il y a qu'à voir, les cernes, tout ça, on ne peut plus. Est-ce que ce n'est pas aussi la gloire là, qui tout d'un coup vous tombe dessus là, c'est le succès, là. Vous avez beaucoup, beaucoup d'admirateurs. Pardon. Ouais, c'est ça, vous avez un petit peu la grosse tête. Ouais, c'est les grosses têtes, les baskets, j'étais obligé de changer de pointure. Et puis, c'est fini, quoi. En fait, je suis déjà mort, là. Ça va plus du tout. Ça va plus du tout, mais est-ce que ça influencera quand même le prochain disque ? Un petit peu, oui. Mais je ne sais pas encore bien ce qu'il y a dans le prochain disque. Je n'ai pas relu les textes avant de venir. Ce sera quand même quoi, du rock ? Ouais, un petit peu, ouais, ce sera un petit peu rocky, quoi. Parce qu'on aime bien cette musique, puis on a toujours mis dans les autres disques. Hein. On m'a dit, j'ai dit que le quatrième disque serait rock, on m'a dit des magots, tout ça, on récupère le mouvement. Puis en fait, on m'a fait venir à des festivals de rock il y a 3 ans, parce qu'il y avait du rock dans mon premier disque, il paraît. Et moi, je sais toujours pas ce que c'est que le rock, alors. Bon, on va essayer de le découvrir ensemble, peut-être. Qui sait, on vous trouvera peut-être une réponse. Mais là, c'est pas du rock qu'on écoute. Un court-métrage, c'est un petit peu différent. Non, c'est aussi une façon de. Ouais. De vous moquer, de provoquer ? Oh, je me moque pas, je provoque pas, moi. Non. Non, jamais. On va voir, on va vérifier tout de suite. Court-métrage. Américain.
aussi haut. Qu'on y voyait le bout des seins, comme dans un film américain. Je m'approchais d'elle à pas de loup. J'y ai dit, baby, I love you. Elle m'a répondu. Merde, tout comme dans un film français. Ça vous a plu? Alors rendez-vous lundi et mardi à 21h au Luxe à Besançon. Vous retrouverez Hubert Félix Thieffen et on l'écoute tout de suite pour une dernière chanson, Groupie 89. C'est juste une fille un peu perverse qui me plante des couteaux dans les fesses et qui me coince dans les urinoirs en sortant sa lave de rasoir. Un peu frité, qui s'amuse avec ma santé et qui me dégoupille les gonades juste au moment où je prends mon fade. Ah, tu n'es pas la première fille qui me tape, tape moi encore. Ah, tu n'es pas la première fille qui me tape, tape moi encore plus fort. Qui grimpe à moto sur mon lit et qui sort sa chaîne de vélo en me disant je t'aime saignant salaud. C'est juste une fille un peu brutale qui déchire mes chemises, mes futales en me disant fais gaffe baba cool, je mets mes crampons garde tes bidules. Tu n'es pas la première fille qui me tape, tape moi encore. Ah, tu n'es pas la première fille qui me tape, tape moi encore plus fort. Ah, ah, ah. C'est juste une fille comme toi et moi. Enfin, je crois plutôt comme toi. Une fille qui s'amuse dans la vie et qui n'a pas honte quand elle rit. Pour mur, quand
j'ai m'aimer